Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien et que l'école se déroule bien pour ceux qui ont repris. Ah, voilà Pierre. Salut tout le monde. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai plein de gens qui me disent que Dieu n'existe pas. Bah moi c'est pareil, hein. Au travail je suppose. Oui, et à l'école aussi, les enfants nous disent que les camarades disent que Dieu n'existe pas. Si Dieu il existait, il n'y aurait pas tous ces problèmes, il n'y aurait pas le virus, il n'y aurait pas de malheur sur Terre. C'est sûr. Mais ça m'embête quand même, parce que toi et moi, on sait que Dieu existe. C'est sûr. Il suffit de regarder la nature, c'est évident. Mais comment on pourrait leur prouver? Bah, je suis sûr que t'as une histoire à raconter, non? Cherche un petit peu. Je suis sûr que t'as une histoire sous le coude. Si je me rappelle bien, on m'a raconté une histoire un jour. Une histoire de coiffeur. Une histoire de coiffeur? Ouais. Bah, c'est pas moi qui ai dû te la raconter, alors. Ah non, c'est pas toi. Les enfants, vous voulez que je vous la raconte? Allez, installez-vous, c'est parti. Un jour, un homme va chez le coiffeur pour changer sa coupe de cheveux. Comme d'habitude dans ces cas-là, ils commencent à discuter. Et de fil en aiguille, ils finissent par parler de Dieu. Le coiffeur déclare « Je ne crois pas que Dieu existe, comme vous dites. » Et le client de répondre « Mais pourquoi dites-vous ça ?»« Eh bien, c'est très facile. Il suffit de sortir dans la rue pour se rendre compte que Dieu n'existe pas. Dites-moi, si Dieu existait vraiment, pensez-vous qu'il y aurait autant de gens qui souffrent? Autant de malades? D'enfants abandonnés? Si Dieu existait, il n'y aurait pas tant de douleurs et de souffrances dans l'humanité. Je ne peux pas croire qu'il existe un Dieu qui permette tout cela. » Le coiffeur achève son travail et le client s'en va. En sortant du salon de coiffure, il aperçoit dans la rue un homme avec des cheveux très longs, négligés. Il a une barbe épaisse et longue. Apparemment, il n'a jamais été la tailler. Cet homme, avec ses cheveux emmêlés, semblait être resté des années et des années sans aller chez le coiffeur. Le client retourne alors au salon de coiffure et dit au coiffeur « Vous savez quoi? Je viens de découvrir que le coiffeur n'existe pas. » « Comment ça? Regardez-moi, je suis ici, je suis coiffeur !» « Non, les coiffeurs n'existent pas, parce que s'il y en avait, il n'y aurait pas de gens avec des cheveux et une barbe aussi longue. » Comme l'homme qui est dans la rue. Ah, mais bien sûr que les coiffeurs existent. Je suis ici. Le problème est que ces gens ne viennent pas jusque dans mon salon. Le client conclut alors. Oui, c'est bien là la question. Dieu existe. Ce qui se passe, c'est que les gens ne vont pas vers lui. C'est pour ça qu'il y a tant de douleurs et de misères dans le monde. Chers enfants, nous vivons dans un monde qui ne veut pas croire en Dieu. Les gens ne veulent pas en entendre parler. Ils disent que Dieu n'existe pas, parce que pour eux, si Dieu existait, il ne permettrait pas toute cette douleur et toute cette souffrance dans le monde. Et pourtant, combien de fois pourrions-nous dire que le soleil n'existe pas, juste parce que nous ne voyons que de nuages et nous ne sentons pas sa chaleur? Mais Dieu est ici, il est à côté de nous. Il marche avec nous, il se réjouit avec nous, il souffre avec nous. Dieu nous a donné tout ce qu'il fallait pour que nous puissions bien vivre sur cette terre. Dieu ne connaît pas non seulement nos souffrances, il y compatit. Il sait très bien ce que sont la souffrance, le mépris, la persécution. Il est même mort à la croix pour nous. Alors les enfants, approchons-nous de Jésus, le Fils de Dieu. Donnons-lui nos douleurs, nos souffrances, nos soucis. Mettons tout ça dans ses mains. Qui n'existe pas, je crois.
découlent les saisons de froid et de chaleur.